Troisième journée au camping. Ce matin, petite galère. J'ai essayé de mettre en ligne la vidéo qui est censée sortir ce matin. Il est déjà 6h48 alors que la vidéo doit sortir à 6h30. Nous sommes mercredi. La connexion n'est pas terrible, tu vois. J'ai payé une connexion Wi-Fi pour pouvoir mettre en ligne mes vidéos, pour que tu puisses en profiter tous les jours. Comme tu le sais, tout l'été, je sors une vidéo par jour, voire deux. Et aujourd'hui, eh ben, je galère. Mais pour autant, je n'abandonne pas. Voilà, je vais aller à l'accueil là, en espérant avoir une meilleure connexion, pouvoir mettre en ligne la vidéo pour que tu puisses en profiter. En plus, c'est le jour numéro 13 de mon vlog. 14 jours pour se muscler et perdre du gras. Une journée bien intéressante que je voulais te faire profiter, te faire découvrir. Donc écoute, moi je ne lâche rien. D'accord? On va en route vers l'accueil. Et moi je dis que ça marche. Ça marche, voilà. Rouler ou pas. Rouler ou pas, c'est exactement la connexion que j'ai en ce moment. Ça fait déjà plus de 10 minutes que j'attends à l'accueil pour pouvoir uploader la vidéo. Impossible. Impossible. Et le pire, c'est qu'il me marque importation 70%, environ 14 secondes. Là, t'attends. Tu dis, ouais, ça va. Ça va, 14 secondes. En fait, rien du tout. Ça fait plus de 10 minutes, hein, même 14 minutes que j'attends. Comme une statue. Et en plus, il caille. Alléluia! Consécration. J'ai réussi à mettre en ligne ma vidéo au bout de 20 minutes de persévérance. Comme quoi, voilà. Il caille, j'ai froid, je suis fatigué, mais au moins la vidéo est en ligne. Voilà. Je me sens en paix, en harmonie. Alors, comme il est tôt et que de toute façon je suis réveillé, je vais en profiter pour aller courir un petit quart d'heure. Voilà, en plus, je profite du terrain incliné pour pouvoir plus travailler mes petits mollets. 15 minutes en tout, 5 minutes d'échauffement tranquille, puis ensuite 20 secondes, bam, j'y vais à fond et 20 secondes de récupération. Je suis content. Fatigué mais content. Donc je te dis à toutes pour la suite de l'aventure. Bisous. En mode Gohan. L'entraînement du jour. Alors c'est vrai qu'hier j'avais déjà travaillé les pectoraux, mais vu les circonstances du matériel qu'on a à disposition, je vais refaire un petit rappel pectoraux, mais surtout travailler en phase excentrique bien accentuée sur les tractions. On fait des pompes en travaillant avec le déséquilibre. C'est parti? Allez, déséquilibre-moi. Ok. Et on peut aussi lever une jambe pour faire des pompes. Et on renforce en plus les muscles stabilisateurs, en plus de renforcer les triceps et les épaules, et aussi le rhomboïde qui va rentrer en jeu. Ouch. Le transverse, les muscles profondeur qui soutient les muscles, enfin la colonne vertébrale, et qui va envelopper toute ta taille. Ouch. On enchaîne encore. Allez. C'est bien plus compliqué lorsque tu travailles en déséquilibre, tu pousses bien. Allez. Allez, encore plusieurs, plusieurs, plusieurs. Voilà. Ok. On est bon là. Allez, encore une. Ok. Ok, alors pour ce midi, je te propose des poireaux pour ne pas changer. J'adore ça. Avec, pour ne pas changer, des champignons. Champignons de Paris que j'ai découpé tout à l'heure. Et on va accompagner les champignons et les poireaux avec un mélange malin. Fajitas mexicaine pour allier plaisir et légèreté comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos. Et je vais compléter les apports en protéines avec un steak haché 5% de matière grasse. Voilà, hop, un steak. Et voilà, j'ai rajouté encore un petit peu de saumon supplémentaire avec des champignons crus pour m'apporter un peu plus de calories pour ce repas. Mais écoute, place à la dégustation. Hyper bon. Allez, bonne dégustation. À tout à l'heure. On fait des petites courses au casino. Donc, j'ai acheté de l'huile de coco. Voilà. Et surtout, ce que je voulais te montrer, c'est ça. Les bonbons sains.
sans pesticides, différentes couleurs. Il faut savoir que plus tu as des couleurs différentes, plus ça va t'apporter différentes vitamines et minéraux. Ça, c'est intéressant de le savoir. Et bien entendu, le poireau, du diurétique avec des fruits, un petit peu de protéines et du thé vert avec du guarana, ce qui permettrait aussi d'augmenter en partie le métabolisme, plutôt la thermogénèse, c'est ce qu'on dit. Allez, à toutes. Regarde-moi ça, soleil comme ça, c'est pas motivant? Moi, ça me donne assez de motivation, du moins, pour aller faire ma session de sport. Un quart d'heure, 5 minutes d'échauffement, ça ne change pas, 20 secondes à fond de sprint et 20 secondes de récupération. Puis ensuite, je vais terminer ici, là, à côté de ma voiture, au soleil, pour faire 30 sauts, 30 montées de genoux, en laissant 30 secondes de pause. Et je vais refaire en tout 3 séries, histoire vraiment de travailler en intensité pour sécréter un maximum de noradrénaline afin de déstocker les dernières graisses récalcitrantes, tu comprends? Voilà, l'objectif est là pour avoir un six-pack plus qu'apparent. Allez, j'ai envie de te dire, let's go! Voilà, tu vois dans quel état je suis? En même pas quoi, 18 minutes. Voilà, le genre de séance que j'aime, court et intense. Je vais te montrer maintenant, enfin dans quelques instants, ma collation de l'après-midi, plus le dîner. Je pense faire de la dinde avec des poireaux, je vais voir, des champignons et certainement des épices. Allez, à tout à l'heure. Je parle de sport hors caméra avec mon voisin en camping. Et on a parlé de sport, d'alimentation, tout ça. Et il m'a passé ça. Des courgettes bio maison. Franchement, moi qui voulais des légumes ce soir, je suis servi. Allez, on va en profiter. À tout à l'heure. N'ai-je pas de la chance d'avoir Elodie qui me coupe de bonnes pastèques bien fraîches, bien vitaminées? Merci Elodie. Ouais, c'est vite fait que je te coupe tout à pain. C'est important d'avoir des tomates cerises de différentes couleurs pour m'apporter des vitamines et des minéraux sans pesticides. On peut se servir comme ça tranquillement. Je vais prendre une pomme en plus pour la collation fruitée, et aussi un petit peu de sélénium avec des noix d'Amazonie. Donc ici, on va se servir pour m'apporter du sélénium. Alors si c'est un peu gras comme ça, c'est parce qu'il y avait de l'huile de coco qui s'est versée dessus, mais c'est tant mieux, hein, c'est pas du mauvais gras. Une consommation de 2 noix suffirait pour t'apporter suffisamment de sélénium et donc préserver une bonne santé cardiovasculaire. Voilà, écoute, j'avale ça tout de suite. Excellent. Alors, pour ce soir, nous avons des courgettes bio de la part de notre gentil voisin. Hein, courgettes du jardin, avec un petit peu d'herbe de Provence, une cuillère à soupe d'huile d'olive ou un petit peu plus, du sel, du moulin. Et j'ai préparé aussi à l'avance, j'adore ça, moi, les champignons avec du poireau, du sel, du moulin et un petit peu d'huile d'olive aussi. Pour les protéines, aujourd'hui nous allons consommer des escalopes de dinde. Voilà, ici extra fin, des coupes de dinde pour nourrir nos muscles. À tout à l'heure pour le résultat final. Miam miam miam. Et voilà le résultat final. Voilà, c'est pas de l'art ça. Légumes, protéines, protéines. Légumes, courgettes bio. Très fondant. Très fondante la courgette. J'ai mis un petit peu de moutarde, herbe de Provence. Mes amis sportifs, avec tout ce que je vous montre, j'espère que vous êtes convaincus qu'il est possible de se faire plaisir tout en mangeant sain. C'est l'objectif même de mes vlogs, d'accord? Pouvoir t'inspirer de bonnes choses. Des aliments qu'on n'y pense pas, même si on les connaît, on ne pense pas à les cuisiner parce qu'on a souvent la flemme, on n'a pas d'idées recettes. J'espère que mes vlogs vous inspirent et t'inspirent tout simplement. Si tu aimes bien ce genre de format vidéo où je te montre ce qu'il faut manger, en tout cas ce qu'on peut manger de sain, alors fais-le-moi savoir avec un pouce en l'air et dis-moi dans la barre des commentaires quel genre de format voudrais-tu que je fasse encore en plus. Peut-être continuer des vlogs, donner des conseils autour de l'alimentation, autour du sport. Voilà, dis-moi quel genre de format vidéo tu voudrais que je fasse. Exprime-toi, c'est fait pour ça dans la barre des commentaires. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube en cliquant également sur la cloche de notification pour ne louper aucune future vidéo. Comme ça, YouTube t'avertit dès que je sors des vidéos.
ça sonne, tu vois. Tut. Voilà, c'est stylé parce que comme ça fait plus de vues. Et en tant que vidéaste, ça nous fait vivre. Je te disais, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à demain pour la suite de l'aventure. Je t'aime. Bisous.